jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la loi Maduela, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas pourtant, je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais ce jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Thank you.
Je vous avais dit que je vous dirais un petit mot sur Jacques de Broncard. L'heure est venue. Jacques de Broncard, que Giovanni m'a fait découvrir avec la chanson Écoutez-moi. Puis celle-ci, qui a résonné particulièrement pour moi au moment où je l'ai entendue. Parfois, il y a des chansons comme ça qui me tombent sur la tête à un moment donné où ça représente, où ça décrit exactement la situation que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation. D'un coup, une chanson qui vous fait mal vous fait en même temps vivre et continuer à... Plus elle vous fait mal et plus vous avez envie de l'écouter, plus elle vous plaît. Il le disait, lui, dans une chanson, même si beaucoup de chanteurs doivent le penser, beaucoup d'auteurs, lui, il le disait dans sa chanson, il disait « Pitié pour le chanteur qui vous livre sa vie. Il est dans votre main, ne serrez pas trop fort. D'avance, pardonnez ses folies, ses furies. Pour lui, le grand problème est d'habiter son corps. » Dans une chanson qui s'appelait « Pitié pour le chanteur ». Et c'est vrai que de Broncard, comme à mon avis tous les naufragés qu'on reprend, livraient leur vie, cabossés, heurtés, inspirés. Et bah voilà, nous proposer une chanson comme on livre un baiser peut-être, ou comme on propose un baiser, certains le prendront, d'autres tourneront la tête. Quelque part, c'est pas l'essentiel. Le plus vrai, je crois, c'est justement d'être authentique, sincère, et d'avoir parfois la chance qu'une chanson résonne, et même si c'est pas au plus grand nombre, qu'elle atteigne le cœur des gens, quoi. Et qu'elle vaille le coup, du coup, l'aventure. Là, ces deux boxeurs sonnaient, saoulés de coups roués, vidés, KO debout. C'est nous, là, ces deux gamins qui jettent en une dernière pirouette leur alliance à l'égout. C'est nous, là, ces jeunes gens qui pleurent au comptoir des douleurs, pas encore assez sous. C'est nous, nous, nous. C'était une belle aventure, mais que faire pour qu'il dure? Les beaux amours tout purs. Ça, la fille en paréo qui court sous le jet d'eau en riant aux éclats, c'est toi. Ça, oui, la photo est floue, mais le type à genoux devant toi, c'est moi. Là, ces deux têtes penchées, les cheveux emmêlés, du sable plein les joues, c'est nous, nous. C'était une belle aventure, mais que faire pour qu'il dure? Les beaux amours tout purs. Tiens, c'est l'heure de fermeture. T'as cassé ta chaussure. Je t'appelle un taxi. Ici. Bon, cette fois, c'est bien fini. Cocu qui s'en dédie. C'est vrai qu'on l'a déjà, n'est-ce pas? Et si tu as oublié quelque chose de chez nous, je peux te l'envoyer. Mais où? Mais où? Mais que faire pour qu'il dure? Les beaux amours tout purs, c'était une belle aventure, c'était une belle aventure.